Oui, voilà. Voilà. Ok, j'ai la vidéo qui est arrivée à court. Donc voilà, je viens de la couper pour enclencher à nouveau. Ouais, mais bon, quand même. J'ai vu d'autres stations avec plus de puissance ne pas passer aussi bien. Enfin, je vais dire avec une radio aussi claire. Car votre radio est parfaitement claire. Hein. Oui, c'est petit poste. Une bonne modulation, et donc toujours une bonne modulation. Des postes qui ont juste 40 canaux. Bon, j'ai mis les supérieurs, mais ils ont que 40 canaux à l'origine, donc il n'y a pas multi-bande, si on peut dire. Il n'y a pas les inférieurs, il n'y a pas les CTF. Donc c'est juste sur cette bande, et il est très stable en fréquence. Ce qui fait qu'il a une bonne modulation. Voilà, Denis. Et ça, là, le dernier passage, 58. Ouais, ben là c'est un petit peu normal car bon, le matériel n'est pas le même, il est beaucoup plus conséquent et il y a un petit peu de puissance derrière là quand même malgré tout. Hein. Oui, le break enregistré. Eric, la station que j'ai eue là, qui a breaké là tout à l'heure quand on était en QSO, c'est très précisément la station à qui tu as donné ton Lincoln. Voilà, c'est lui qui a breaké. En avant le break. Ouais, ok, c'est Eric de retour là. Voilà. Salut Mario, salut Rémi, voilà, je vous ai entendu discuter. Ouais, tu m'as parlé de Lincoln, c'était pour moi. Oui Eric, il n'y a pas très longtemps, tu as donné un Lincoln à quelqu'un, là, une station, là. Et c'est très... j'ai oublié le prénom. Ça se fait pas. Ça se fait pas du tout. J'ai oublié le prénom. Mais bon, bref, la station qui a breaké tout à l'heure, qu'on était en QSO, eh bien, c'était justement lui, celui à qui tu as refilé le Lincoln. Ah, négatif, tu te trompes. Moi, j'ai jamais eu le Lincoln, ouais. J'ai jamais donné le Lincoln, mais voilà, il n'y a pas de souci. Oui, je vais bien, j'étais ma cabane au fond du jardin, tu vois, comme j'ai laissé un poste dedans. J'ai oublié pour voir s'il y avait du monde, et puis j'ai entendu Denis, donc je l'ai appelé, voilà. J'avais volonté de couvrir un scoubijou dans les jambes. Il a l'air de bien m'entendre, voilà, avec les quelques watts que sur l'appareil. D'accord, 4-5 watts modulés que sur l'appareil. Ça fonctionne bien, et la modulation est très bonne. C'est que ses potes, ça fonctionne très bien sur les petits jacks. Mais je pense que c'est long parce que j'étais en train de faire du jardin. Il faut que je continue. Donc je te dis bonjour et au revoir. Bon, je t'ai dit ce matin, il me semble, oui, Eric, je t'ai parlé ce matin. Et je salue donc Denis, là, du côté de Saint-Émilion. Bon, Vendée, c'est pour vous, là, c'est ça. Ça veut bien dire aujourd'hui, je sais pas si la propagation. Enfin, toi, Denis. Ok, non, c'est pas... Ouais, je sais qu'en fréquence, Rémi, Denis, c'est pas toujours facile à comprendre. C'est Rémi, Roméo, Echo, Mike, Yankee. Voilà, Rémi, pour le prénom. QRZ local, effectivement, Dandy 33. Indicatif 14, Oscar, Delta, Roméo, 002. Je vais faire un retour de micro sur Eric. Eric, alors si c'est pas Lincoln, c'est peut-être un autre poste, je sais plus, que tu as dû passer à quelqu'un. Il y a peut-être une erreur sur le poste, mais récemment, tu n'as pas donné un poste à quelqu'un. Retour Eric. C'est affirmatif, j'ai donné un poste à quelqu'un, justement, c'est à notre ami Mario qui est ici présent, c'était un grand, je crois, si ma mémoire est vraie, mais parce que de Lincoln, je l'avais jamais vu, on a le retour, vas-y. Bon, il y a encore quelqu'un d'autre. Pourtant, il t'a bien cité. Faudra réécouter sur la vidéo, parce que là, pourtant, il t'a bien cité. Ouais, ça sera à décortiquer sur la vidéo. Je dis décortiquer parce qu'il passait très très mal. Hein. Là, c'était un Santiago de 1. Par moment, j'avais du QRM, ceci, cela, un petit peu de propag qui est passé par là, ainsi de suite. Là, c'était vraiment du... il fallait vraiment décortiquer pour arriver à comprendre. Et il m'a demandé par la même occasion où sur Bordeaux on pouvait trouver du câble coaxial. Donc je l'ai envoyé direct sur Radio 33. Voilà, c'est Mathis, oui. C'est le Radio 33, de toute façon, il n'y a pas trop le choix sur Bordeaux. Hein, voilà. Non, mais t'es sûr que c'est le même Eric parce que il y a
Mario, je m'attendais, je m'excuse Mario, je t'envoie les invités, voilà, qui étaient toujours derrière, avec un peu de retard, excuse-moi. Il n'y a pas de problème, je veux dire, on s'est parlé ce matin, donc on s'est déjà salué, c'est tout. Dis donc, Éric, je t'arrive bien avec mon coin de poing au fond du jardin. Moi, c'est du 59 plus vert, excuse-moi, hein. Avec des couleurs de cacahuètes, c'est bien. Ah oui, tu m'as très très clair, fort, clair, net, là, je te dis, l'aiguille, c'est du plus vert pour moi, il n'y a pas de soucis, hein, ça passe très très bien, Mario. Tu connais l'entrée, ça donne bien, moi. Eh bien, ça prouve que tu travailles bien. Alors écoute pas les gens qui te disent que tu connais ça, hein, si. Les antennes dans les arbres, et ça passe dans les arbres, la preuve. Exactement, mais moi j'ai confiance en toi, il n'y a pas de soucis, je sais que tu travailles très bien. Bon, je vous laisse là, je dois continuer à bosser. C'était juste un intervalle là. Et bien quand je vais bosser au jardin, je branche le poste, et si je t'en attends, vous êtes là, donc je peux en profiter. Ouais, c'est bien, en plus ça arrive, tu vas faire le fond du jardin, c'était bien, je vais faire le cadre, ouais, n'est-ce pas? Oui, la cabane au fond du jardin. Ah oui, c'est bien, tu vas l'avoir, mais... Tu vas être en vidéo, ça va être bien. Tu vas passer sur le star. Affirmatif. J'ai sur moi d'une personne. Ok, voilà, je reprends. Mais là, moi, vu mon installation là, du jour, si je vais sur la route, ça va pas être triste non plus. Hein. Là, je vais, pour le coup, là, c'est, je passe en convoi exceptionnel. Et on risquerait de me regarder de travers. Oh, Garou, la cour est en France, j'ai toujours besoin de son judiciaire, elle est géniale. Bah, bon, en tout cas, c'est vrai que là ce petit poste là qu'il a, là, il marche bien. Hein. Parce que c'est vrai que là, la radio est claire, elle est propre, elle est nette. Elle est comme il faut, quoi. Il n'est pas loin, le caméo, c'est quoi? C'est le ventre, là? Ah, apparemment, Mario est parti. T'as vu avec quel poste c'était? Parce que je sais qu'il a plusieurs petits postes qui fonctionnent très très bien chez lui. Oui, il me l'a dit, c'est le... Oh, putain. Putain, c'était mémoire de poisson rouge. C'est le... Oh, putain, non, c'est... Un voisin du Grant. Il ressemble un peu au Grant, mais c'est pas le Grant. Non, c'est pas le Jackson. C'en est un autre qui doit être aussi vieux, sinon plus. Ah oh, oui, vous le direz, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ça passe toujours aussi bien, c'est bon, là. Il n'y a pas trop de gros fier, hein, encore. C'est correct, moi je trouve ça toujours bien. Hein. Bonjour, les filles. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Aïe aïe, les bottes 71-51 à vous, de la part de Rémi, 14 Oscar Delta Romeo 002, QRZ local, Dandy 33, en mobile sur les hauteurs de Sainte-Colombe, c'est-à-dire pas très loin de Castillon-la-Bataille. Oui, Castillon-la-Bataille, salut, Chantal et Christian, là. Les environs Coquimont, la bagarre, enfin, c'est les Chantal, Rémi, ok? Affirmatif, j'ai reconnu la modulation. Salut Christian, les amitiés. Amitié, ma petite Eric, amitié chez toi. Oui, je t'ai reconnu là, Rémi. Rémi, amitié à la M, c'est un peu sur ces bandes-là, belle vue. Non, ça fait plaisir, Rémi, de t'écouter. Là. Moi, si tu m'as reconnu, c'est ok à toi, Rémi. Bah, affirmatif. Ah, moi, je suis partout, hein. Là, je fais pas de distinction comme certains, je suis partout, hein. La CB est multimode, et ben, j'utilise tous les modes qui est à disposition sur la CB, hein. Achille. Ouais, tu penses bien au cas, il était en mobile ou en fixe, là? Alors, les deux, je suis en mobile. Oui, d'un premier temps, je suis en mobile. J'ai une station prévue là, faite là, pour les expéditions, mais ce matin j'ai eu un petit problème avec la chaudière. Je l'ai un petit peu trop poussée ce matin, la chaudière, du coup elle pousse plus du tout. Alors du coup, ben, j'ai rapatrié le DK dans le mobile. Et derrière, j'ai une remorque.
avec une antenne et le président Himalaya qui est monté à 6 mètres de haut, attaché dans la remorque. Eh, hey, tu veux qu'on me regarde de travers ou quoi, là? Parce que ce que je t'ai dit, c'est la vérité en plus, hein, c'est pas des conneries, hein. Là, j'ai vraiment l'antenne, enfin une antenne de fixe, là, une président Himalaya, montée à 6 mètres de haut, dans une remorque, et la remorque accrochée, là, derrière la voiture. C'est du sérieux. c'est très vrai, hein. Il y a des photos, justement, de mon installation, là, sur Internet, des vidéos également. Et là, je suis vraiment dans ces conditions-là de trafic, là, actuellement. Hein. Ouais, ok, pour le temps que je suis en train actuellement, mon je te crois, hein. Ouais, pas de problème, bon, mais c'est bien, hein. Ça va l'imagination, toi, Eric. Ok, je suis en verticale, là, ou c'est en horizontale? Je suis avec toi, maintenant, verticale, tout, verticale. Ok, pas de soucis, non, mais ça passe, pas de problème. Mais bon, c'est pas très loin, toi, de Rémy, là, voilà, vous êtes proche. Ah oui, avec la Sion Lamartine, là, on est proche. Oui, je suis plus près, la Sion Lamartine, avec toi, Eric, on n'est pas loin, hein, oui, on s'entend fort bien, hein. Là, c'est du nickel comme, ok, Rémy. Ah ben, affirmatif, là. C'est vrai que là, ça passe vraiment bien, là. Moi aussi, 59 plus, oui, je suis un fixement, voilà, pas de problème. Ça cartonne, ok, à toi Eric. Ouais, voilà, affirmatif, bon, mais moi je te reçois comme d'habitude, hein, toujours, ça change pas. Alors, je te ressens mieux avec la verticale qu'avec l'horizontale, bien sûr, parce que moi je suis en polarisation, pardon, verticale, voilà. Et là, si bien la radio, ça change pas de mon côté. C'est bon pour moi, ça n'a rien changé, très très bon, voilà. Tu passes très bien, Eric. Jusqu'à avant de vous trouver là, en tournant la galette, j'étais avec un gars sur Montauban, tu vois. Ça passait bien là. Ok, Eric. Ok, c'est bon. Du moment que tu m'entends, c'est essentiel. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Et bien, c'est bien, mais je vais vous laisser un petit question parce que moi, c'est la deuxième fois que je travaille avec Freddy à Chic, voilà. Et je voulais saluer Mario en même temps qui était là tout à l'heure. Donc, je vous laisse un petit QSO, puis Christian, les invités, bonne continuation, bonne X, et puis donc Rémi, pareil, se ressalue encore une deuxième fois, voilà, puis elle vaut mieux deux que trois, et puis pas du tout, voilà. Et puis, bonne vidéo, alors, et puis à la prochaine. Allez, retour au micro, à toi, Rémi, pour le final, allez. Ok, merci. Ben, toi là, si hier le Québec passait très bien, aujourd'hui là, j'ai un petit peu moins de chance. Hein. Je sais quand même eu tout à l'heure, mais c'était pas mal perturbé, pas mal de QRN, pas mal de surmodulation, surtout sur une surmodulation des pays de l'Est, là qui était plus en AM. C'est un petit peu dommage, mais bon, on peut pas gagner tous les jours. Hein. Ok Eric, puisque tu repars à nouveau, les bandes se sont 13:51 à toi. Et retour de micro sur... ça y est. Ah je crains, hein, je devrais prendre des notes moi. Sur la station qui nous a rejoint. Christian, c'est ça. Ok, allez, salut Eric, amitié, puis peut-être en plus, si jamais dans la soirée ou... Eric, à demain, on t'est Eric, voilà. Chez toi, à bientôt Eric. Ok, merci d'avoir été deux. Je reviens dans le centre, c'est un petit moment. Je suis venu sur le Eric. Allez, ciao, bye. Ciao, bye. Ok, Eric, ciao, peut-être à tout à l'heure. Ok, c'est vrai, Christian, là, j'ai pas trop l'habitude de t'entendre sur tes fréquences, mais bon, sur ces fréquences-là. Mais bon, je t'ai quand même reconnu, hein. Oui, moi aussi, je t'ai très bien reconnu, c'est l'habitude dans la modulation. Mais VRM, c'est différent, mais je te reconnais quand même sur l'USB, pardon. Oui, ok, Rémi, bon, mais ça passe fort bien. Oui, je me suis amusé avec le Canada. Aujourd'hui, non. Il y a la Guadeloupe également, mais aujourd'hui, non, tu vois. C'est pas tous les jours comme ça, à la radio, c'est ça, hein. Tu fais des pays et des jours, non, voilà, toi, Rémi. Mais oui, affirmatif, hier j'ai pas trop osé bouger, j'avais du vent de mon côté, donc pour
pour hisser l'antenne sur la remorque, ça n'a pas été aussi évident que ça. Puisque ce que j'ai fait, j'ai mis un premier tube bien attaché avec de la chaîne et tout, un premier tube de 1,50 m qui est bien ancré là dans la remorque. Et après, c'est les autres tubes avec l'antenne au bout que je hisse par-dessus, quoi. Donc ça n'a pas besoin de plus pour tenir, ça bouge pas là. Mais le problème, c'est que si j'ai du vent, eh bien, pour redresser tout l'ensemble, eh bien, c'est niet. Hein. Je l'attendais celle-là. Non, parce que là, le bas de l'antenne est à 6 mètres. Donc après, 5,50 m d'antenne qui vient au-dessus, quoi. Voilà. Alors c'est sûr que si je vais sur la route, on risquerait de me regarder un petit peu bizarrement, quoi. Et puis, les fils électriques, tout ça, je suis pas sûr, là, je suis pas convaincu de la chose. Faudrait que je tente le coup pour voir. Un chi trois coups. Non, quand même pas. Quand même pas, on n'est pas dans un pays où on peut faire ce que l'on veut, quoi. Ah, je peux, oui. Je peux, hein. C'est-à-dire que là où je suis un petit peu en extérieur d'un chemin là par rapport aux vignes. Donc là, pas de problème. Tout à l'heure, j'ai eu deux tracteurs qui sont passés. Ils sont passés sans problème. Mais habituellement, quand je suis comme ça en mobile sur une colline, je me mets davantage sur la colline de Saint-Magne-de-Castillon. Donc un meilleur dégagement du côté sud-ouest-sud. Là par contre je suis au ras des vignes et il m'est déjà arrivé d'être obligé de m'échapper de là parce que des véhicules voulaient passer, quoi. Et donc je laisse le tout monter, hein, puisque tout est fixe, hein, dans la remorque. Hein. Et je peux me déplacer facilement, là, il n'y a aucun problème. Ouais, ok, tout est fixe sur la remorque, c'est autorisé, t'as le droit de te balader comme ça, si, par exemple, si tu prends une départementale ou une autoroute. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Eh, je vais pas sur la route avec. Ah non, négatif. Non, je vais pas sur la route avec. Hein. Non, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. C'est, je garde simplement le premier tube d'1,50 m de fixer dans la remorque. Donc là, ça, que je regarde un peu comme ça, je vois plus. Ça ne dépasse pas la hauteur de la voiture. Non, ou limite. Ça arrive juste à la hauteur d'un monospace, quoi. Voilà, au niveau hauteur. Et c'est une fois rendu sur le QTH que là, ok, je monte tout l'ensemble au sol et que je redresse après, que je viens enquiller tout ça après sur le tube qui est dans la remorque. Oui, d'accord, t'as le pied fixe dans la remorque qui est pas très haut comme ça, après tu suis vers le QTH, tu montes ton antenne dans la... Oui, d'accord, j'ai compris, ok. Alors, ben, c'est sûr, c'est un peu plus là, c'est mieux qu'en fixe, hein, parce que suivant les endroits, tu fais les pays, voilà, c'est mieux de se déplacer. Comme ça, tu trouves le meilleur endroit, le meilleur sans fixe, voilà. Ah ben affirmatif, d'autant plus que ce matin, il y a la Nouvelle-Calédonie qui passait très fort. Bon, ça fait plusieurs jours là que j'y entends, bon c'était assez faible, ce matin c'est très bien passé. J'étais au QRA, donc dans mon trou, et j'ai eu beau les appeler, j'ai eu beau faire des acrobaties, faire le singe et tout chez moi pour essayer de qu'ils me voient, mais non, ça n'a rien à passer, hein. Ça n'a pas voulu. Il aurait fallu que je me dépêche de monter là ici, vite monter l'antenne dans la remorque et les attraper, mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir au moment où on le voudrait, hein, c'est clair. Ça, tout le monde peut pas avoir toujours au moment, oui, comme on veut, hein, mais c'est ça la radio, Rémi, oui. Bon, mais sûr, oui. Il suffit d'un jour, puis que la propagation soit adéquate, même que puis chez toi, les gens, tu peux le faire, voilà, mais voilà, c'est comme ça. Ouais, affirmatif. Mais bon, là en tout cas cet après-midi, bon, j'ai pu faire d'autres pays. Bon, le Québec, que je sois au QRA ou là sur la colline, il n'y a pas de problème. D'un côté comme de l'autre, ça passe très bien. Surtout hier, c'était une journée excellente là pour la propague de la côté Québec.
Aujourd'hui, bon, c'est plus les pays de l'Est en AM. Bon, c'est pas méchant, quoi. C'est pas grave. Ouais, t'as remarqué, mais il y a des jours très très bons et d'autres sont faits avec RMI. Bah, évidemment, oui. Mais bon, le principal, c'est qu'on s'amuse. Et là, c'est le cas, là, je m'amuse quand même qu'il fout, là. Oui, surtout que c'est quand est-ce lundi soir. Lundi soir, je suis parti au pro du côté, enfin un peu plus au nord. Voilà, de chez moi, une vingtaine de kilomètres un peu plus au nord. Donc j'ai pris la route ce coup-ci vers les 20h. Le Québec passait encore, hein. Même à cette heure-ci, ça passait encore, hein, parce que dans le mobile, je les entendais bien quand même. Je les ai breakés, il n'y a pas de souci, c'est passé. Hein. Ah, mais des fois, il passe au fond, le Canada, le Québec, là. Même à 22h, 23h, 28h, ça passe, il y a des jours, hein, comme ça. Hein. Oh oui, affirmatif. Hein, que ça, n'importe quelle heure, quand ça veut le faire. Et par contre, là, j'étais avec le Superstar 3009. Hein, donc, configuration plus petite. Et il m'a entendu de suite. Hein, j'étais en train de rouler, tout ça, dans les virages, montée, descente. Enfin bon, bref, c'était. Et il m'a entendu de suite. Hein, j'étais un petit peu surpris. Et c'est très bien passé. Bon, par contre, là, je vois l'heure, 17h05 passé. J'ai peut-être pensé quand même à rentrer au QRA, tout démonter, rentrer au QRA, parce que bon, j'ai quand même d'autres choses à faire aussi. Je suis ici depuis le début d'après-midi. Ça a été bien sympa, mais il y a autre chose à faire aussi. Donc, je t'envoie les bonnes sur 1351 à toi, ainsi qu'aux éventuels écouteurs de la part de Rémi, en compagnie de Christian. Et à la prochaine sur les ondes. Ok, je te comprends, Rémi, on ne peut pas faire toujours que t'es derrière la radio, moi c'est pareil, hein. Je fais des QX, avec ok. Allez, les bonnes centaines, content de t'avoir écouté, au plaisir, Rémi. Allez, bonne continuation, bye bye, à plus. Ok, merci, 14 ODR 002, passe en QRT, à la prochaine sur les ondes. Bye. Bye. Et j'ai craqué, je reviens. Break pour le sud-ouest de France. Break pour le sud-ouest de France. Oui, et bonne 73, la station de la part de Rémi, 14 Oscar Delta Romeo 002 en mobile sur le sud-ouest de France, pas très loin de Saint-Émilion. Oui, la station pour le sud-ouest de France, les bonnes 73-51 à vous de la part de Rémi. 14 Oscar Delta Romeo 002 en mobile sur le sud-ouest de France, pas très loin de Saint-Émilion. Attention le Québec, attention le Québec pour le sud-ouest de France. Attention le Québec, avez-vous la copie de Rémi, sud-ouest de France en mobile? Oui.
Oui, pour le sud-ouest de France, ça y est, j'ai réussi à vous entendre. Les modes 73-51, vous, le Québec, de la part du sud-ouest de France. Rémi, 14, Oscar, Delta, Roméo, 002, actuellement en station mobile, pas très loin de Saint-Émilion. Ok, c'est parti. Voilà, je suis là, si j'ai bien compris, 27805. Ok, voilà, je suis là, les modes 73 à vous, de la part de Rémi, 14, Oscar, Delta, Roméo, 002, en mobile, sur le sud-ouest de France. Avez-vous la copie? Waouh, ça passe fort. Hein. Là, ça passe très fort, là, sur le sud-ouest de France. Là, vous passez vraiment très très fort. Ah oui, j'ai pas besoin d'ouvrir les grandes oreilles. Là, les cousins, là, les cousins du Québec, là, passent très très fort, là, en ce moment, sur le sud-ouest de France, à Chy. Ouais, affirmatif. Voilà, je suis, voilà, c'est l'opérateur Rémi. 14 Oscar Delta Romeo 002, actuellement en station mobile, mobile expédition. Je dis ça car là, je suis équipé, là, dans le push d'un Yazoo FT450AT. Et côté aérien, j'ai une remorque d'accrocher derrière la voiture avec une antenne de montée à 6 mètres de haut. Et l'antenne, c'est une président Himalaya, une antenne fibre qui est montée à 6 mètres de haut, attachée dans la remorque. Ok, oui, alors je répète, je suis 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi. Et mes conditions de trafic sont c'est un Yazoo FT450AT. Et pour l'antenne, c'est une antenne de fixe, une président Himalaya qui est montée à 6 mètres de haut, attachée dans une remorque qui est derrière le push. Voilà, et je suis... Avez-vous eu la copie, là, du sud-ouest de France? Est-ce que vous m'avez entendu? Attention, le Québec-Canada, je crois que là, je vous ai perdu. Attention, le Québec-Canada pour le sud-ouest de France. Ah, j'ai la propagande des pays de l'Est qui passe là, de mon côté, là en AM ou en FM. Là, je vous entends plus, là. C'est pas grave, la journée va s'arrêter là, il faut que je rentre au QR maintenant.